Hello, c'est Judy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. On se retrouve pour l'épisode 3 de notre troisième génération sur l'occulte Family Dynamics. La dernière fois, on avait pas mal évolué la relation entre Otsana et Andrew. Et aujourd'hui, donc, je pense qu'on va peaufiner tout ça. On va essayer de continuer son aspiration, de chercher les ingrédients de potions nécessaires, de nous faire de l'argent. Et peut-être qu'aujourd'hui, on aura le premier bébé. Je suis pas encore sûre, mais peut-être. Écoutez, je vous propose qu'on arrête de parler et qu'on se retrouve en jeu de suite. Alors aujourd'hui on retrouve une Otsana toute triste parce que il y a quelqu'un qui était mort dans la famille la dernière fois. C'était Hulda. Alors il y avait également le chien Bibi qui était mort, mais on a surtout Hulda qui est décédée, donc sa tante la plus éloignée certes, mais elle a quand même été touchée visiblement par sa perte, donc elle va être dans cet état là pendant 2 jours. Je sais pas si on va pouvoir faire des interactions amoureuses du coup avec Andrew étant donné ce moodlet, mais bon écoutez, on va essayer. Au niveau du potager, on avait fait pousser la baie de plantes vaches, on a des choses à faire évoluer je vois, et il y a également des choses à récolter, donc écoutez, on va faire tout ça. Pour l'instant on a eu que 2 plantes de qualité excellente, donc on n'est pas encore près du but, mais écoutez, je pense que d'ici le prochain épisode on switchera avec son autre aspiration, parce qu'on peut switcher entre 2 aspirations sans perdre l'évolution des 2, donc du coup c'est assez pratique. Donc si jamais je vois qu'on traîne trop à ce niveau là, on fera son autre aspiration et on reviendra sur celle-ci plus tard. Alors ses besoins sont nickel. On avait sympathisé avec le chat la dernière fois, pourtant on n'avait pas réussi à l'adopter, donc je pense que je vais la réinviter. On va venir nourrir notre plante vache parce qu'elle me fait flipper. On va tout vendre au niveau du jardin, on va désherber ce qu'il faut désherber, et je suis pas sûre qu'il y ait des choses à faire, à arroser tout simplement. Voilà, côté Simflux, on est pas mal hein, pour accueillir un premier enfant, donc de ce côté-là, c'est plutôt cool. Je pense qu'on va aller au monde magique pour récolter des ingrédients de potions. Voyons voir déjà ce que je peux faire comme potion. Là, je peux faire aucune potion. Il me faut une racine de valériane. Est-ce qu'elles ont poussé mes trucs au rez-de-chaussée, là? Oui, elles ont poussé. Ça, c'est quoi? C'est la valériane. Ça, c'est le fruit du dragon. Et ça, c'est la mandragore. Alors ici, on va rien vendre. On va juste récolter, puisque ça, ce sont pour les ingrédients de potions. Potion de chance turquoise, je l'ai déjà. Vivacité d'esprit, il me faut une grenouille terrapois, je l'ai pas. Et pour ça, il me faut une émeraude et un poisson rouge. Il faudrait que je voie sur internet où est-ce qu'on peut choper les poissons rouges. Ah, il y a mon frère qui m'appelle. Petite question, Liliana, Kaloa et moi envisageons de passer du temps ensemble. Bien écoute, si tu veux, il n'y a pas de souci, je vais en profiter pendant qu'elle fait ça pour regarder concernant les poissons rouges sur internet. Alors, ce poisson est commun, vous pouvez le pêcher dans le parc d'Oasis Springs, à l'étang au centre. Il est également disponible depuis l'aquarium. Il ne nécessite pas d'appât particulier. Il faudrait qu'on aille à Oasis Springs du coup pour pêcher ce petit poisson rouge. Après, il est assez commun visiblement. Parc d'Oasis Springs à l'étang au centre. Je pense qu'on va aller d'abord au monde magique et puis on verra ça après. Tenez, il y a déjà une grenouille et on avait découvert dans ma vidéo sur le pack alloué que si on cliquait 2 fois sur un item, on pouvait creuser 2 fois ou récolter 2 fois en l'occurrence. Donc écoutez, ben, on va profiter de cette faille et on va faire ça parce que ça peut nous permettre de récolter plus facilement les grenouilles dont on a besoin. Regardez, il y en a même une autre ici. Hop! Chercher des grenouilles, ça c'est quoi? De la sauge, on va récolter la sauge. Sait-on jamais, ça peut servir. Vous voyez, voilà, le truc a disparu et elle creuse une deuxième fois dedans. C'est l'un d'entre vous qui m'a donné cette astuce et c'est très pratique. Et du coup, j'ai pas fait attention, est-ce qu'elle a récolté 2 fois la même? Non, hein. Moi je crois qu'il me faut une grenouille terre à pois. Donc écoutez, on va continuer à chercher ça hein, pour l'instant. Et tout ce qui est voilà, tout ce qui est dans mon inventaire, je vais rien vendre parce qu'il y a des choses qui vont me servir pour faire des potions justement. Grenouille cœur rayé, grenouille feuille à pois. C'est feuille à pois ou terre à pois qu'il nous faut nous? Ah, les factures, 5000 Simflouz les factures, ok, alors une seconde, c'est terre à pois ou feuille à pois qu'il nous faut? Grenouille terre à pois, ah dommage. Bon, on va venir payer les factures de suite, sinon je vais complètement oublier et ça va nous mettre dans le caca. Je pense que je vais faire 1 ou 2 toiles, histoire qu'on se remette bien niveau Simflouz, et ensuite on partira pour le monde magique. Ah, attendez, il y a des petits chats là, est-ce que princesse ne serait pas de retour? Bah regardez, elle est là, adoptée, c'est bon, j'ai pas besoin de tricher, regardez, on va l'adopter, 161 Simflouz à peine, oh, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Vraiment, on va vraiment devoir se faire beaucoup plus d'argent que ça. Mais comme on a besoin de ce qu'on vend,
enfin de ce qu'on trouve après, ouais je sais pas hein. En fait voilà, le truc qu'il faudrait qu'on fasse, comme pour l'aspiration il faut qu'on prépare 5 potions, il faut par extension qu'on apprenne 5 potions. Donc si on en apprend 5, on est bien, ensuite on saura quels ingrédients il nous faudra et on pourra vendre le reste. Donc je pense que ce serait intéressant qu'on se focus sur ça. Pour l'instant on va adopter la petite princesse et on va l'ajouter en familier directement. On va laisser princesse en nom de famille, je vais lui acheter le nécessaire, une petite litière, elle a déjà sa gamelle ici. Oui, on peut dire qu'elle adore les animaux. Et on va du coup l'ajouter en familier directement, sans attendre. Alors, associer un animal de compagnie en tant que familier, et j'avais découvert réellement comment ça fonctionnait dans le défi Ami de la Forêt justement. Donc c'est pratique. On va lui faire des petits câlins et ensuite elle pourra aller manger. Voilà, on va s'occuper un petit peu d'elle, il faut que j'achète une litière aussi. J'aimerais bien prendre une litière qui se lave toute seule pour une fois. C'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire, mais bon, là je vais me permettre de le faire. Ensuite, quand tu auras terminé ça, tu iras invoquer le familier, parce que c'est comme ça que ça marche en fait. Moi j'étais pas au courant. Princesse, hop. Et voyez maintenant, elle peut se téléporter, elle est où? Regardez-moi ça, elle se téléporte toute seule, c'est pas moi qui contrôle ses téléportations. C'est tellement cool, c'est vraiment tellement cool. Allez, on va se concentrer sur les potions. J'aimerais bien qu'on en apprenne pas mal aujourd'hui. 2, ce serait vraiment l'idéal, quoi. J'ai appris une potion de nausée. Alors, quels sont les ingrédients nécessaires? Ah, regardez, on dirait Féline. On dirait Féline de mon défi ami de la forêt. C'est trop marrant. Qu'est-ce qu'il me faut, du coup, pour préparer cette potion-là? Mandragore, grenouille terre. Ok, les grenouilles, c'est vraiment la clé, hein. Si tu pouvais en apprendre encore une, s'il te plaît, ce serait pas mal. Comme ça, après, on pourra se faire de l'argent plus librement. Après, il faut savoir que quand on va avoir les enfants, tout ce qu'il y a dans cette pièce va disparaître. Donc on va pouvoir se faire pas mal d'argent en vendant tout ça, parce que cette pièce là va se transformer en pièce pour les enfants. D'ailleurs il faudra que je réagence cette pièce aussi pour pouvoir accueillir Andrew. On a appris la potion de besoin assouvi. On l'avait pas déjà appris celle-là? Alors besoin assouvi, il nous faut une pomme. Ok, bon. Bah écoutez, c'est bon. Je pense qu'on va pouvoir se débarrasser de tout ce qui est trucs comme ça et tout. Je pensais pas qu'elle allait apprendre des potions aussi rapidement. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres grenouilles dans les environs? Si, il y en a une ici. Alors on va voler à ce niveau-là. Ça c'est quoi? Persil, bon. Je vais bien sûr creuser 2 fois ici, bien évidemment, maintenant qu'on a l'astuce. Hop, et d'ailleurs pareil pour les pierres. Je pense pas que pour les plantes ça fonctionne, mais de toute façon ça va pas pousser. En attendant, je vais voir s'il n'y en a pas ailleurs également des petites grenouilles. Quelle heure il est là? Il est 15h52. Ok, grenouille terre. Je crois qu'il me fallait une grenouille terre. Grenouille terre à pois, oui, mais grenouille terre aussi, il me semble. Grenouille terre à pois. Oh, parfait, 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 tout ça, c'est génial. Émeraude, il m'en fallait aussi un émeraude. Bah parfait, mais on trouve tous nos ingrédients aujourd'hui. On a vraiment beaucoup de chance, hein. Demander à Andrew comment s'est passée la journée. Partir en vacances à Granite Falls, ça on le fera plus tard. Parce que dans les objectifs, il faut qu'on soit niveau maximum de la compétence herboristerie, mais j'ai prévu de partir à Granite Falls en famille, donc quand on aura les enfants bien évidemment. On va creuser ça 2 fois. Alors qu'est-ce qui me manque comme ingrédient du coup pour mes petites potions? Il me manque un poisson rouge et une pomme. La pomme on peut l'avoir assez aisément. Tu ne vas pas y croire, Tala, Roano est fantastique. Mais lui il me parle tout le temps de crush différents. Oh, il y a Andrew qui vient me parler, mais il est trop mignon. Il y a Andrew qui est venu me rejoindre, il vient me draguer directement. Oh, il est triste. Quoi, il est triste? Ah, s'excuser. On va essayer de se réconforter d'abord, essayer de le réconforter plutôt. Je sais pas pourquoi il y a écrit s'excuser, mais on va essayer de le réconforter parce que je sais pas pourquoi il est triste. Voilà, on va s'excuser aussi. Peut-être qu'elle a dit un truc qu'il fallait pas la dernière fois. Vous voyez, voilà, il est plus triste. Ah, il s'en va, d'accord, il est juste venu me faire un petit coucou. Il m'a vu, ok, bah c'est mignon. Bon, on va aller dans le monde magique du coup, nous aussi. Par la suite, ce serait bien aussi qu'on essaye d'aller pêcher un poisson rouge à Granite Falls. Pas du tout. À Oasis Springs, on va aller voir ça tout à l'heure si on peut pas le faire vite fait. Nous voilà arrivés, elle est très 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 enjôleuse. Et maintenant qu'on s'est concentré sur les potions, peut-être qu'on va plus se concentrer maintenant sur la magie à proprement parler. Bon, d'abord, on va aller marchander et on va voir quels sont les ingrédients de potions qui sont disponibles à la boutique. Mais j'avoue que pour avoir des pommes là facilement, rapidement, comment on fait? On va voir ça. Peut-être qu'il y en a. Est-ce que j'arrive à marchander même? J'ai l'impression que... Ah, non, j'ai peut-être pas réussi là, regardez. Non, non, il a peut-être pas voulu. Vous plaisantez, je vends déjà à perte. Bon, c'est pas grave, on va quand même acheter chez toi, ne t'inquiète pas. Ah bah, il y a des pommes. Combien il m'en faut par contre? Je sais pas, bon, je vais en prendre 5 au cas où. J'ai besoin de rien d'autre, hein, je pense. Enfin... Si, mais par rapport à ce qu'il y a dans la boutique, je veux dire. Voyons voir, je vais juste retourner sur le terrain central. Il me manque plus que le poisson rouge en fait, et ça y est, j'ai tous mes ingrédients. Balai en bois tordu. Est-ce que je l'ai pas déjà? Attendez, au lieu de l'acheter 2 fois là. Enfin, avant de l'acheter 2 fois. Qu'est-ce que j'ai? Non, balai bois tordu, je l'ai pas. Eh ben écoutez, on va l'acheter. Par contre, le balai éponge, je l'ai déjà, hein. C'est le balai qui est moche là. Balai éponge magique. Donc là, si je vais dans les collections... Ouh là là.
On en est très loin. Bah, les éponges magiques. Et les baguettes magiques, comment on les achète d'ailleurs? Et les familiers, on peut les acheter ici? Ouais, parce que si on les... Enfin, si on les récupère pas nous-mêmes de cette manière-là, ça compte pas dans les collections. Donc il faut qu'on les achète en fait, même si on les a déjà à la maison. Donc on va voir lesquelles je peux acheter. Ah bah les baguettes magiques, c'est là. Alors, qu'est-ce que j'ai comme baguette magique déjà? Baguette magique ancienne en bois, baguette magique en bois et baguette magique naturelle. Les deux là, je les ai pas. Baguette magique de création astrale, celle-là non plus. Et en familier, ça coûte un peu cher, donc je vais en acheter qu'un pour l'instant. Voilà. Comme ça, on a bien fait nos petites collections. Du coup, là, maintenant, celui-là que je viens d'acheter, on est d'accord qu'il compte, vu que je viens de le procurer de manière normale. Oui. Alors, bah, je vais en profiter puisque je suis là, je vais creuser un petit peu pour essayer de me faire de l'argent. Il y a beaucoup de monde qui veut me parler, je ne sais pas pourquoi. Et ensuite, ah non, j'avais dit que je voulais aller pêcher le poisson. Bon, on ira demain matin au pire pêcher le poisson, ce sera très bien. J'essaye de voir aux alentours s'il n'y a pas des petites pierres aussi. Je sais qu'il y en a une normalement sur le terrain des duels. Est-ce qu'elle est là? Oui. On va voler ici et on va la creuser deux fois, bien évidemment. Et ensuite, au niveau de la serre également, il y a des petites choses. Alors tout ce qui est mandragore, tout ça, ça pousse à la maison, donc j'en ai plus besoin. On viendra voler ici. J'ai trouvé une carte au trésor. Ah ben on va l'utiliser sur l'autre rocher. Et une capsule magnifique. Ah regardez, il y en a qui font des duels. Ah c'est trop stylé. Faudra qu'on en fasse nous aussi. Mais bon là on va rentrer. Alors du coup, il y a encore plein de petits chats. Notre princesse, elle va bien. D'ailleurs, on peut l'envoyer chercher des trésors. Pendant ce temps, nous on va aller s'occuper de nous-mêmes. On va aller faire un pissou, on va aller manger. Je sais plus si on avait de quoi manger dans le frigo, on va voir ça. Oui, donc allez, on va se prendre une petite portion. Mais du coup, il y a tous les chats qui viennent manger dans la gamelle de princesse. C'est pas grave, on pourra la re-remplir, il n'y a pas de souci. Et donc là, vous voyez, elle s'en va. Elle va chasser. Et généralement, pas tout le temps, mais on l'a vu dans le défi Ami de la forêt, que il pouvait nous rapporter des objets en rapport avec le monde magique. Donc ça peut être très pratique pour les collections notamment, qu'il faut qu'on fasse dans ce let's play. Donc c'est très cool. Allez, on va manger à table avec un chat qui ressemble vraiment très pour très à Féline. C'est perturbant. À Féline dans le défi Ami de la forêt, encore une fois. C'est vraiment très perturbant. Son moodlet triste a repris le dessus. Oh non, ça c'est pas bien. Pensez qu'on peut inviter Andrew là, à passer la soirée avec nous ce soir. S'il n'est pas occupé, Andrew va arriver. Parfait. Et vous savez quoi? Je vais d'ores et déjà préparer le terrain et modifier la structure de la chambre. Parce que là, Andrew, il ne pourra pas dormir avec nous sinon. Alors, je sais pas vraiment comment je vais faire ça. Ah, après, comme ça peut le faire. Je mets le lit ici. Ça, je le mets ici. Bon, là, du coup, là, le vase, on va l'enlever. En plus, il vaut super cher. Là, je pense que ça le fait. Si j'enlève ça, là, parce que sinon, je suis sûre qu'ils pourront pas passer. Tout simplement. Bon, là, ça fait très vide, mais je trouverai un truc à mettre, un fauteuil, etc. Je pense que ça peut le faire là, ils peuvent passer. Pour l'instant, on est en train de manger. Andrew arrive, mais il est tout le temps triste lui aussi. Mais pourquoi il est triste? Il a perdu quelqu'un dans sa famille lui aussi? Bah non, je pense pas, puisqu'il a que son père. On va essayer de lui remonter le moral. Ouais, il est très triste. Voilà, il est heureux maintenant. Amour, demander en mariage. Ouh, embrasser, on va faire. Est-ce que dans Amour, on peut lui demander de rejoindre le foyer? Parce que j'ai pas envie de faire ça de manière amicale, vous voyez ce que je veux dire? Faire crac-crac dans la douche. Est-ce qu'on fait ça maintenant? En fait, j'aurais bien aimé que ce soit lui qui me demande en mariage, mais je crois pas que ce soit possible. À moins que... Attendez, est-ce qu'il y a peut-être moyen avec le MC Command Center? Non, c'est pas possible, même avec le MC Command Center. Bon, j'aurais essayé. Peut-être je vais le demander moi, hein, comme ça si on peut se fiancer, c'est cool. Otsana vient de se fiancer avec Andrew. C'est parfait. Du coup, je vais lui proposer de rejoindre le foyer. Par contre, il va pas nous donner 24 000 simflouz. Peut-être qu'il va nous en donner, allez, 2 000, histoire de quand même. Hein. On va dire que c'est son père qui lui donne un petit peu d'argent. Voilà. On va pas abuser non plus, mais voilà. Au moins, il vit avec nous maintenant. C'est parfait. Andrew a semblé apprécier cette conversation avec Otsana. Est-ce que cela pourrait signifier qu'Andrew aime les pensées profondes? Bah oui. Très bien. Et du coup, je sais pas pourquoi il était triste. Hein. Tu es tellement drôle, j'adore passer du temps avec toi. Oh non, mais c'est trop mignon. Mais je les adore. Je crois que ça va être mon couple préféré de l'Occult Family Dynamics, vraiment. Je sais pas pourquoi. D'ailleurs, Princesse est toujours pas revenue. Oh, mais regardez-les, ils sont trop mignons. Je vais essayer de faire crac-crac ici. Est-ce que ça va être fonctionnel? Essayer de faire un bébé avec Andrew, on va essayer. Pour l'instant, ils y vont. Oula, la plante vache, elle me fait peur. Ok, c'est bon, il passe. J'y croyais vraiment pas. Oh, il est trop beau son pyjama. J'y croyais vraiment pas. Alors, est-ce qu'on va avoir notre première grossesse aujourd'hui? Ce serait vraiment pas mal, honnêtement. Au bout du 3e épisode, je trouve que ça va, c'est un rythme assez cohérent. Princesse est revenue. Ah, elle vient haut pour nous offrir son cadeau. Elle est épuisée, la pauvre! Vous pensez que c'est la chasse qui l'a fatiguée comme ça? Par contre, Princesse, je suis désolée, mais tu rentres vraiment au mauvais moment. Va dormir, vraiment, va dormir. On te donnera de l'affection demain, tant pis, mais là, il faut que tu dormes. Hein.
Comment je fais pour la faire dormir? Viens ici, s'allonger ici et tu vas aller dormir. Parce que là, elle va s'évanouir de fatigue en fait. Tu dois vraiment y aller, c'était très sympa. Ça me fume les chats qui disent ça. Vraiment, ça me fume. Bon, je sais pas si elle est enceinte ou pas. Toi, tu vas aller t'allonger. Tu vas aller dormir même carrément. Le cadeau, c'est quoi du coup? Baguette magique de création astrale. Alors, c'est dommage, je l'avais déjà. En revanche, du coup, est-ce qu'on peut pas la vendre comme on l'a en double? Ça nous fait des simples, c'est très bien. On va aller faire un petit test de grossesse de suite. Comme ça, ce sera fait. Dormir. Ouais, mais tu vas pas dormir dans le passage là. Bon, bah écoutez. Apparemment si. Bon, si elle est pas enceinte. Oui, si c'est bon, elle est enceinte. J'allais dire sinon on réessayera demain. Alors ce serait bien qu'elle l'apprenne à Andrew par contre. Elle est crevée par contre, faudra qu'elle aille dormir après hein. Il est 1h du matin, c'est n'importe quoi. Ah, il est content. Bon, il a un appareil auditif avec des couleurs très étranges. Ça fait pas très sorcier, mais je lui enlèverai ça plus tard, c'est pas grave. Là, faut vraiment aller dormir par contre, vraiment vraiment. Il faut aller dormir de suite. Et je pense que demain, il invitera son père pour lui annoncer la nouvelle. Ok, Andrew est déjà réveillé. Et ben, il va aller donner un peu de l'affection à petite princesse. Parce que là, elle en a vraiment besoin. Réconforter princesse. On va la féliciter également. Elle a vraiment besoin d'attention, là. Ça va pas du tout. Nous, pour l'instant, on fait encore dodo. La plante vache, elle est pas morte. Non, ça va. On va aller s'en occuper de suite. Parce qu'elle me fait très très peur. Andrew, lui, il faudrait qu'il apprenne un sort. Et ben, écoutez, on va lui faire faire de la sorcellerie tout à l'heure. Mais elle est malade ou quoi? Pourquoi elle est orange? Est-ce que je peux lui demander ce qui va pas? Emmener à la clinique vétérinaire. Ah mais elle est malade hein, sûrement. On va l'emmener de suite parce que je sais pas trop ce qu'elle a. Pendant que, j'allais dire Vénus, non c'est fini ce temps là, pendant que Otsana dort encore, on va l'emmener chez le vétérinaire. Alors du coup on va lui prendre le traitement coûteux, comme ça au moins elle sera tranquille. C'est coûteux justement, mais écoutez, je préfère faire ça, au moins elle est bien. Allez, on va prendre le contrôle d'Otsana et on va s'occuper un petit peu d'elle. Bah elle était en train de faire une toile, écoutez on va la laisser faire, enfin quoi que, on a d'autres choses à s'occuper là quand même. Alors on va emmener Andrew ici, il va aller prendre, bah déjà il va aller nettoyer ça, il va aller prendre le petit déj, on va aller faire déjeuner ensemble. Ensuite ce serait bien qu'on invite le père de Andrew pour qu'il soit un peu au courant quoi de la bonne nouvelle finalement, surtout qu'elle elle a des bonnes relations avec lui aussi. Partager la grande nouvelle, mais il est déjà là. Accueillir Andrew dans le foyer, mais il est déjà là aussi. C'est quoi ce bug? Conversation profonde hein, on va faire, voilà, on va les faire discuter ensemble. Oh ils se font un bisou, ils sont trop pipous. J'ai entendu parler de tes fiançailles, mais ce serait bien qu'on invite nous aussi notre famille. Ouais je pense qu'on va inviter un petit peu tout ce beau monde là, mais d'abord, faut absolument qu'on aille s'occuper du jardin. Tu vas arrêter ce que tu es en train de faire. Tu vas aller aux toilettes. Tu vas aller nourrir la baie. Enfin, la baie. C'est plus une baie maintenant. La plante vache. Tu vas aller faire de la super vente. Tu vas aller désherber la zone. Et s'il faut arroser des choses, eh bien, on le fait. Pendant ce temps, Andrew, il va aller tout me nettoyer. Princesse, elle va beaucoup mieux. Elle fait ses besoins. Les plantes là, elles ont besoin d'être arrosées ou pas? Non. Bon, pour l'instant, on va les laisser tranquilles alors. C'est pas urgent. Andrew, ce serait bien qu'il aille au WC aussi. Et ensuite, bah ouais, on va inviter les parents, je pense. Je pense qu'il n'y aura pas la place d'inviter tout le monde. Je sais pas du tout. Je n'en ai aucune idée en réalité. Alors Andrew, déjà toi tu vas inviter ton père, c'est toi qui vas te charger de ça. Il y a rien à arroser là, t'es sûr, parce qu'elles ont l'air vraiment desséchées tes plantes. Mais bon, si tu le dis. Alors nous, on va appeler notre mère, long appel de la famille. Oh c'est trop mignon. On va appeler notre père et on va appeler nos frères et nos sœurs. Ce sera déjà pas mal parce que sinon ça va faire beaucoup trop de monde, je vais être perdue. Peut-être c'est l'aîné aussi parce que c'est vrai qu'ils sont quand même très proches. Ah mais pourquoi t'es triste? Ah non mais si tout le monde est triste, ça va pas le faire là par contre. Ah non, pourquoi t'es triste Mamoun? Discuter avec Curtis. Non attends, t'as pas le temps là. Toi tu vas accueillir tout le monde, inviter à entrer. Je sais pas, elle avait... Ouais elle a une tête toute triste, mais de toute façon Vénus tout le temps elle fait la tronche. Qu'elle soit triste ou juste énervée, elle fait tout le temps la tronche. Alors Curtis, bah, on va lui parler, bah, il est en train de discuter avec nous déjà, c'est parfait. Oh, mais par contre il est venu sous sa forme de loup-garou, mais il y a Séléné qui va venir, ça va être une catastrophe. Il y a notre père qui est là, il y a Vénus Vicky qui est là aussi. Alors on va venir papoter avec tout le monde et surtout on va venir ajouter tout le monde à la bande. Exprimer ses doutes à propos du mariage, non je crois pas non. S'enthousiasmer du mariage à venir, ouais c'est peut-être mieux. Alors on va former une bande. Mais elle a encore faim, elle est sérieuse elle? Parce que j'ai peur que la plante vache elle bouffe quelqu'un en fait, ça me fait très peur. Alors voilà, notre grand-mère, papotage, parler de la température chaude. Notre mère elle est triste. Comment on fait pour lui annoncer la nouvelle? Partager la grande nouvelle. On va faire ça de suite. On peut le partager aussi avec notre grand-mère? Non, pas avec notre grand-mère, j'ai l'impression. Ah si, ça y est, tu lui as dit à ta Mamoun? Elle est en train de lui dire. Ça serait bien qu'on arrive à lui remonter le moral aussi. Ah d'accord, elle va se baigner. Enfin, elle s'assoit juste là. Ah bah non, elle s'est relevée. Otsana, ok, proche de sa famille. Ce serait bien que tu l'annonces aussi à tes frères et sœurs. Partager la grande nouvelle, voilà. Par contre, Vénus, t'es pas en train de cramer là, j'espère. Non, je crois qu'elle avait le trait vampirique là pour pas qu'elle crame. Est-ce qu'elle l'a annoncé à son père? Je crois pas. Partager la grande nouvelle, voilà. Tout le monde est content, c'est trop mignon. Et je suis pas sûre qu'elle l'ait fait avec sa sœur non plus. Voilà. Regardez, elle est choquée. Ah, ils sont tous contents, c'est trop bien.
Regardez la mère et la fille là, on a les trois générations sous le même toit. Oula, elle a sauté sur sa mère. C'est trop cool, c'est vraiment trop bien. J'aime trop cette ambiance. Est-ce qu'elle l'a annoncé à Eric? Je crois pas, hein. Partager la grande nouvelle. Est-ce que lui peut l'annoncer à son père? Il est très joueur. Non, lui peut pas l'annoncer à son père, c'est dommage. Oh, on va annoncer les fiançailles. Voilà, ce sera très bien. Alors là, il y a des loups-garous et des vampires ensemble et ça se passe plutôt bien. Donc écoutez, tant mieux. Andrew a hâte de parler de ses fiançailles à tout le monde. C'est son sujet de conversation préféré car il ne peut plus garder ça pour lui. J'aimerais bien remonter le moral de ma mère, mais je sais pas où elles vont, la mère et la grand-mère, là. Où est-ce qu'elle est, Sélénée? Sélénée fait le ménage chez sa petite fille. Ok, très bien. Vénus, elle se regarde dans le miroir. Je sais pas ce qu'elle fait du tout. Oh, mais pourquoi elle est triste? On peut pas aller lui remonter le moral, attendez. Pensée profonde. Essayez de réconforter. Hop, on va faire. On va laisser les autres un peu tout seuls. On va aller s'occuper de maman. Ah, mais elle est peut-être triste à cause de la mort de Hulda, en fait. C'est sa sœur, faut pas l'oublier. C'est une personne qu'on a très peu vue dans le let's play, mais Hulda, c'est sa sœur. Et elle est morte. Par contre, j'arrive vraiment pas à lui remonter le moral. Elle est toujours très triste. Bah, du coup, avec tout ce monde, notre compétence charisme, elle augmente très vite. Hein. Il est où mon père? Ah, il arrive. Ils vont discuter ensemble. Là, il y a Vénus, Sélénée qui est toute seule. Très bien. Toi, t'es enjôleuse, je sais pas pourquoi, ça m'effraie. Ça y est, elle se joint à la conversation. Très bien, ça. Pourquoi compétence malice? Qu'est-ce que tu fais? Toi, fais attention avec la plante vache. Hein. Vraiment, elle me fait trop peur, cette plante vache. Elle me fait peur avec les invités, là. Discuter des coins de pêche locaux. Voilà, il va se joindre aussi à la conversation. Il y a Vénus qui fait des pompes avec son fils. Vraiment, c'est incroyable. Ah, il y a Vicky qui s'en va. Il y a des chats partout. ça n'a pas changé, n'est-ce pas? Ah, mais j'aime trop de voir tous ces Sims, là, ensemble. C'est tout nous qui avons fait ça, là. C'est tout nous qui avons fait ces Sims. Ah, princesse, elle a besoin d'affection. Andrew, il va venir lui en donner. Elle me fait trop peine. Oh, attendez, je peux l'encourager à s'accoupler avec quelqu'un? Enfin, avec un chat. Oh non, mais c'est génial! Venez, on fait des bébés chatons. Ce serait trop cool. On va essayer. Parce que comme elle est en chaleur et tout, et qu'il y a des chats partout, moi, j'aimerais bien avoir des bébés chats. J'en ai jamais eu dans un let's play. J'en ai déjà eu hors let's play, dans des parties perso. Mais des petits chatons comme ça, faits naturellement, j'en ai jamais eu. Trop envie d'essayer. Vous pensez qu'elle va y aller? Ah bah, en plus, ça remonte son affection. Est-ce qu'elle va y aller? Se mettre à l'aise. Présence bestiale. Ah, elle est pas bien à cause des loups-garous. Ah, tout le monde s'en va. Bon. C'était un petit moment en famille, quoi. Mais du coup, ça a pas marché. Encouragée à s'accoupler avec Tucker. Peut-être qu'il y avait trop de monde, ça l'a perturbée. Oula, nous, on a envie de faire pipi. Bon, bah, c'était un petit moment en famille sympa, c'était bien. Attendez, on va la faire venir à l'intérieur et on va faire l'interaction avec Otsana. Ah, j'ai l'impression que là, elle y va. Oula, ça a pas l'air de se passer bien du tout, là. Il y avait des trucs négatifs et tout. Ah bah non, il y a des cœurs. Bah, je sais pas, en fait. Je sais pas si elle a réussi ou pas. Est-ce que je peux lui redemander encore? Ah non, c'est bon, elle vient de le faire. Bon, bah, c'est bon, ça veut dire que ça a marché. On va faire une toile classique. J'aimerais bien aller essayer de pêcher le poisson rouge, mais on va pas avoir beaucoup de temps parce que ses besoins sont pas au top. Mais on va quand même aller essayer. Donc, c'est au parc d'Oasis Springs, apparemment. Il y a un étang ici. Apparemment, c'est dans cet étang-là parce qu'il y a écrit vous pouvez le pêcher dans le parc d'Oasis Springs, à l'étang au centre. Donc, c'est pas là où il y a les baies de plantes vaches derrière le parc. Là, c'est vraiment dans le parc. Donc, on va essayer. Apparemment, c'est un poisson très commun, donc on devrait y arriver assez facilement. Parce que c'est le seul ingrédient qui nous manque pour pouvoir faire toutes nos potions ensuite. Allez pêcher. Voilà, on va tester. Pendant ce temps, Andrew, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Bah, il va prendre soin de lui, tout simplement. C'est sympa cette petite réunion en famille, c'était pipou, je trouve. Alors, je sais pas combien elle est en pêche. Elle est niveau 3. Kira m'appelle. Merci de m'avoir suggéré de passer du temps avec Liliana, c'était un fantastique moment. Sérieux, j'arrive pas à pêcher là? C'est sérieux? Elle a un niveau si faible que ça? Attendez, parce que là, elle va augmenter de niveau. Alors, c'est pas du tout un poisson rouge, c'est une truite. On va la faire rentrer parce que là, elle en peut plus. Mais bon, au moins, elle a pu pêcher quelque chose ici. Passer du temps avec quelqu'un d'assez attentionné pour nous donner conseils. Utile donne un élan d'énergie à Otsana. Elle est vraiment vraiment bien. Allez, on va la faire rentrer. Qu'est-ce qu'il fait lui? Il va se baigner? C'est vraiment pas l'heure là, il faut qu'on aille manger. On va sortir un plat. Je sais pas qui c'est qui a mis ce livre ici. C'est pas grave. Hop, on va sortir ça. Prendre une portion. Impossible de faire cela dans une piscine. Oui, mais sors de l'eau. Sors de l'eau, voyons. Oh non, mais tous mes objectifs se sont annulés. Attendez, je triche pour les deux là, je suis désolée, mais... Oh non, mais non! Attendez, il faut sermonner le chat. Mince, ou envoyer à son domicile peut-être. Prendre une portion et prendre une portion. Je suis pas du tout contre le fait qu'il y ait plein de chats ici, mais par contre, il faut pas qu'il mange dans nos assiettes. Ça, c'est non. Faudrait qu'on lui achète de quoi faire ses griffes, parce que c'est vrai que ça, je l'ai pas encore acheté. On a trouvé un endroit où mettre un arbre à chat. Leurs barres sont pleines. Oh mais non. Regardez-le. C'est un autre chat déguisé. Non, c'est toujours Canaille. Il dort sur notre frigo. Il est trop pipou. Vraiment. Il est trop mignon. Bon, alors nous, on va aller nettoyer tout ça. On va aller
faire pipi, prendre une douche et dormir. Et par contre, avec Otsana, on va dormir directement parce qu'elle est au bout de sa vie. Ok, c'est le matin. Otsana a besoin urgent, de vomir également, de faire pipi. Donc, il va falloir faire les deux. Let's go. Et du coup, entre-temps, elle est passée donc au deuxième trimestre. Au niveau des chats, on a plein de chats hein, dans la maison. Ils sont pas tous confort, mais au moins ils ont un toit. Je peux pas m'occuper de tous les chats non plus. La mienne, par contre, comment elle va? Elle va bien. Est-ce qu'on peut l'encourager déjà à s'accoupler de nouveau, vous pensez? Amical, encourager à s'accoupler avec Wally. On va faire ça. J'aimerais vraiment qu'on ait des bébés chatons. Ah, il s'est réveillé Andrew aussi. Alors, est-ce qu'elle va y aller? J'ai l'impression que oui. Alors, avec Andrew, on va venir faire un petit truc mimi. Enlacer amoureusement, on va faire. Alors, Wally, il est là. Est-ce qu'elle va lui sauter dessus ou est-ce que c'est lui qui va descendre? Ou est-ce qu'ils vont faire ça en Bluetooth? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Oh, mais regardez-les tous les deux. À chaque fois, ils font... À chaque fois, il y a des trucs négatifs et puis ça se finit avec des cœurs. C'est assez curieux. J'aimerais vraiment qu'on ait des bébés chatons. Regardez-les, ils sont trop mignons. Ils sont vraiment trop 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 mignons. Je vous propose qu'on s'arrête ici pour cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir comme toujours en laissant un petit pouce bleu, un commentaire. Moi, en attendant, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour de prochaines aventures. Bye!